Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo déballage et test de ces écouteurs qui coûtent à moins de 8 euros que j'ai acheté chez Action dernièrement. J'ai trouvé ça intéressant au vu du rapport qualité-prix. Après, bien sûr, bien évidemment, on regardera à l'utilisation. Mais voilà, au prix que c'est vendu, c'est quand même ahurissant. Donc, moins de 8 euros pour ces écouteurs intra-auriculaires sans fil. Du Bluetooth, donc c'est tout bon. Bien évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bart, testeur blogueur et tech. Je teste et je déballe des produits pour vous. Je les teste pour un laps de temps. Je vous donne mon avis, je vous les conseille à l'achat ou pas. Ça reste un avis personnel, bien évidemment. On peut se tromper et puis on peut éventuellement avoir un avis différent. Ça n'empêche pas que voilà, ça reste un avis sur une utilisation en temps lambda, donc je ne peux pas garder non plus le produit éternellement. Si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Alors, ça en dit plein de choses sur l'emballage où en fait c'est noté ici. Vous avez 4 heures d'utilisation, voice assistant, charge, vous avez entre 1 heure et 1 heure et demie pour 4 heures d'autonomie, ce qui est plutôt très bien. Bluetooth, plug and play, donc il se connecte automatiquement, normalement. Sur l'arrière ici, vous avez quelques caractéristiques, ici, donc avec la version du Bluetooth, c'est du 5.0, 4 heures d'utilisation, 1 heure de charge, stand-by 100 heures, la transmission elle est on va dire valable sur 10 mètres de long, ce qui est plutôt très bien, donc c'est plutôt good tout ça. Alors on va l'ouvrir ici, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le package. Bon, pas grand chose hein. Donc là déjà le boîtier, c'est un boîtier noir mat ici avec une charge en USB-C. Donc les deux écouteurs ici, hop. Là vous avez ici le câble qui est tout minus, USB-A, USB-C. Vous avez quelques petits coussinets de change ici, vous en avez deux plus exactement, des gros et des petits. Et là, vous voyez, je les ai juste touchés, qui sont déjà allumés. On va pouvoir les mettre ici. Ils sont tout légers. Hein. Ça fait vraiment peur. C'est pas là, c'est l'autre. Là, et puis, là. Voilà. Vous avez juste un petit point ici, bleu, pour la charge. Donc, pas d'indication de charge, ni quoi que ce soit. La marque, c'est du Sologic. Voilà. Bon, pourquoi pas. Vous avez un petit manuel d'utilisation ici. Donc, il va pas servir à grand chose. Hein. Voilà, il vous explique un petit peu le fonctionnement ici. Avec toutes les langues, bien évidemment. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va les mettre à l'oreille, on va les connecter à notre smartphone et on va voir ce que ça donne. Alors, bon nombre d'entre vous me demandent le nom du Bluetooth. Donc là, on va le faire directement. Comme ça, vous allez voir le nom. On va sortir, vous voyez, les écouteurs. Ils sont aimantés, bien évidemment. Voilà, ça va capter, on va dire, le nom du Bluetooth. Voilà, donc c'est Sologic TWS Airphone directement. Voilà, il y en a qui posent la question 6, 7 mois ou 8 mois ou 9 mois avant. Donc je m'en souviendrai pas forcément parce que je retiens pas au vu de, au vu du nombre de produits que je teste. Il faudra regarder la vidéo et comme ça vous êtes tranquille. Voilà, donc là c'est connecté. Donc ça clignote plus normalement. Voilà, ça clignote plus. Ce qu'on va faire, on va mettre de la musique sans droit d'auteur. Alors tous les écouteurs se ressemblent. Vous voyez quand vous appuyez ici. Voilà, ça fait en fait
moitié tactile, un appui long. Voilà, c'est pour volume plus moins. Vous voyez, ou l'assistant Google, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, deux fois, voilà, ça passe à la chanson après. Voilà, donc, bon, c'est tous les mêmes fonctions, on va dire. Un appui une fois, deux fois, même trois fois des fois. Donc, c'est tous les mêmes fonctions. Donc, après, voilà. On n'entend rien, donc ça ne sert à rien que je vous fasse écouter ici. Je vais essayer sur les oreilles, voir ce que ça donne. Donc, déjà, si ça tient bien. Et puis, éventuellement, le son, s'il est bon ou pas. Alors, vous voyez sur les oreilles ce que ça donne. Donc, c'est tout petit, c'est mignon. Le son est très bon. Franchement, le son est top. Rien à dire. Vous voyez, ça ne bouge pas. Et là, vous voyez, par exemple, ici. Voilà, quand je touche une fois, vous voyez, ça met sur pause. Voilà, deux fois, ça passe à la chanson d'après. Ou sinon, si vous êtes en pause, ça vous fait en fait apparaître Google ou Alexa. Et hop, voilà, ça remet. C'est vraiment top. Ça se connecte automatiquement entre les deux. Donc, il suffit de connecter le nom du Bluetooth et ça se connecte toutes les deux. Donc, le son est très bon, rien à dire. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Vraiment nickel, c'est facile. Produit excellent. Je vais pas vous retarder plus que ça, mais écoutez, c'est un produit que je peux que vous conseiller. Donc c'est la marque Sologic de chez Action, à même pas 8 euros. Garantie 2 ans, qu'est-ce que vous voulez de plus? Avec 4 heures, on va dire, d'autonomie, une heure et demie de charge pour 4 heures d'autonomie, c'est vraiment le top. Voilà, mais écoutez, donc c'était Bart, donc c'était le test de ces écouteurs sans fil. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.